puissance de l'évangile en action. C'est vraiment une grâce spéciale à chaque fois qu'on joue une opportunité pour vivre un moment ça ensemble avec nous. Et nous capables dire, frère mieux, ce mieux, pendant ces 3 jours d'action de grâce que nous déclenchons du matin au soir, et vraiment, et du soir au matin, dans Radio Puissance, hier, c'était la première journée, et jeudi, c'est la deuxième journée d'action de grâce, côté pour dire, bon Dieu, merci. Et vraiment, vrai, et somme 30, ce d'afflit est fait lecture pour nous-mêmes, hier soir, dans ce moment spécial que nous avons passé dans la première journée, vraiment d'action de grâce. Et matin, encore une fois, nous joignons début, psaume 30, par notre sœur Georgette Valcourt. Nous fait lecture psaume 30, assurément, grand causé que bon Dieu voulait parler dans nos oreilles, nous. Le psaume 30, et psaume de David, son psaume cantique pour dédicace de la maison. Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent de la fosse. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrive les pleurs et le matin l'allégresse. Je disais, dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais. Éternel, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne. Tu cachas ta face et je fus troublé. Éternel, j'ai crié à toi, j'ai imploré l'Éternel. Que gagnes-tu à verser mon sang? À me faire descendre de la fosse. La poussière a-t-elle pour toi des louanges? Raconte-t-elle ta fidélité? Écoute, Éternel, aie pitié de moi. Éternel, secours-moi. Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel, mon Dieu, je te louerai toujours. Amen. Frère mieux, c'est mieux, parmi couple de mots que nous barons pendant ces 3 jours d'action de grâce, nous barons force et puissance, nous barons la vie et la vie éternelle, et nous barons découverte et récupération. Ni assez bien pour capable connaître tout. Moi te dis depuis nous te commencé des fois même Fresnel par contre qui est Fresnel hier. Et ça fait un mètre froid qu'on a des disputes avec des autres ou à discuter mon a dit mais comment on y est on dit non pas comme ça. Mais en réalité ses voisins qui peuvent dire exactement quel type de personnalité qu'on gagne. Découverte, c'est lorsque on prend le temps pour analyser tête ou pour capable vraiment garder qui ça qui n'en roue, vraiment qui sont nuisances pour les autres, ou du moins qui est capable y ont problème peut-être pas et pour monde qui bon côté ou. Et même pour foi chrétienne, les bons, il y a un petit moment que je toujours mettais à part une fois là, qui est self-training season, c'est-à-dire son moment que je mettais à part pour me capable de faire un examen de moi-même, et puis pour me joindre, ça n'est pas bon, pour m'examiner et pour me faire correction qui mène vers le changement. Frère Semio, il y a des paroles nous apprendre dans la Bible qui portent attention qui portent nous à réfléchir lorsque Seigneur a dit
je ne vous ai jamais connu. Son bagay qui Dieu, sous aller avec moi, côté l'important, ça que nous avons fait là, ces trois jours d'action de grâce, pour capable de faire découverte de soi-même. Dans Matthieu 7, nous capables garder ça ensemble avec nous. Ce que nous avons fait là, l'important pour nous, nous tous. Dans Matthieu 7, verset 21. Et surtout, nous va prendre, nous va prendre à partir du verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Ça veut dire que c'est monde qui dit que c'est bon Dieu que vous voyez, mais cependant, ce sont des loups ravisseurs. Ils paraissent avec une peau mouton, et cependant, en dedans, son lion, son loup. Verset 16. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sous des épines ou des figues sous des chardons? Ces fruits, il faut reconnaître, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Là, Jésus-Christ a parlé de le feu de la Géhenne. C'est-à-dire que si bon Dieu est déterminé que non, c'est un mauvais arbre qui a porté de mauvais fruits, eh bien, place-nous dans le feu de la Géhenne. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est ça, le monde produit. Et ça fait les bons pour prendre du temps pour examiner tête haut. Pour voir, est-ce que pour faire une découverte et pour capable arriver à récupération. Nous te dit, récupérer, c'est entrer en possession de tout ce qu'on avait perdu. Il y a des qualités qui n'ont aucun perdu à n'importe quel moment. Si vous n'avez pas fait attention. L'environnement qu'on vive, qu'on a fait perdu toute qualité qu'on a gagné. En pile monde, t'es gagné un tempérament vraiment abordable lorsque t'es en Haïti, mais arrivé aux États-Unis, orgueil emporté la vie en pile monde. Pas font idée combien monde États-Unis changé. Mes frères et mes sœurs, verset 21, c'est ça qui a attiré l'attention, qui fait qu'à chaque moment, une fois là, au moins, moi fais un self-examination, un self-training season. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Imaginez, ce sont des personnes qui ont prié longtemps, parlé en d'autres langues, baptisé du Saint-Esprit longtemps, mais c'est pas longtemps. C'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Matthieu 24, verset 13. Pendant ces trois jours d'action de grâce, imaginons, nous t'as bon pour nous faire analyse là. Plusieurs ont dit, mais ça que m'te qu'on fait. Plusieurs ont dit, Seigneur, Seigneur, m'te qu'on a la mission pour nous-mêmes. M'te qu'on a le monté sous tête bon yo. Mais si on commence ou pas fini, donc, tout, bon Dieu, pas payé commencement, c'est la fin que le payé. Ou pas qu'à commencer en construction et finir pas jamais finir. Qui est-ce qui a dormi la donne? Et ça qui attire l'attention, c'est le verset 23. Jésus qui dit, alors je le dirai ouvertement. Est-ce que ça pas bon? Ça pas attirer l'attention? Alors je le dirai ouvertement. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc, c'est Dieu,
pour que Jean ou te connaît là chaque matin de la prière. Jean ou te connaît là chaque midi de la prière. Ou connaît tes grands bien-aimés qui disent dernièrement, parce que alors, moi, ou tellement au travail, ou tellement matin là, à school là, à midi là. Oh, moi connais assurément une place spéciale pour vous dans le ciel là. Et si toutefois, tu as oué que tu parles dans le ciel, moi, le côté bon Dieu, me dit bon Dieu, mais ça que tu as fait, eh bien, tout ça va vous dire rien. C'est bon Dieu qui seul juge. Depuis le Dieu, jeté au feu, connaît que jeté au feu. Depuis le Dieu, entrer dans mon royaume, parce que il y a deux bagailles qui sont réservées pour nous. Bon et fidèle serviteur, entrer dans le royaume. Ou du moins tout le capable de dire méchant serviteur, jetez-le dans le temps de feu. Vous connaissez tout ça que m'a fait là. Si m'est arrivé dans un moment, m'lagué ça, découragement emporté, m'ont dit moins frayeur ou la peur. C'est la peur qui fait un pile dans nous, lagué ça. Bon Dieu, voyez-vous, mais frayeur, dit ou quoi, t'as qu'au Jonas. Bon Dieu, voyez-vous, mais ou peur aller à Ninive. Ou peur. Parce que, ou gon bagaille en dedans, on compte Ninive. Mais, m'a dit ou bien, bon Dieu, t'es bien pile compassion pour Jonas, autrement, t'es qu'à quitter Jonas, échoué. Mais, bon Dieu, fait grâce à Jonas, ils font poisson valer. Pas qu'il t'est arrivé dans position, son poisson qui valait haut pour aller à Haïti. Pas qu'il t'est arrivé dans position, son poisson qui valait haut pour aller laguer en Afrique. Pas qu'il t'est arrivé dans position, son poisson qui valait haut pour entrer dans Chili. Pas qu'il t'est son poisson qui valait haut pour aller Guadeloupe, Martinique. Depuis bon Dieu voyait haut. Pas peur, pas crainte. Ça qu'avec quoi plus fort que ça qu'avec méchant. Dans toute bagaille, peut-être à midi, nous va couvrir, nous pas guette à couvrir avec nous-même. Gen un bagaille dans l'homme, et ça fait li bon pour analyser tête tout. Gen un bagaille dans l'homme, et n'a seulement invoqué verset 1, dans 10, Proverbe 10, 19. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Ou pas qu'on font idée, ou pas qu'on prend un petit temps pour analyser tête ou dire, qu'il aime parler trop. Parce que, monde qui parlait en pile, péché envahit. Dans Jacques 1er, verset 19, il dit, il faut être prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Mais si on est dans le domaine psychologie, gagne un syndrome pareil. Celui qui parle beaucoup est souvent réduit au silence. Le bavard est celui qui parle plus qu'il ne pense. Il y aurait ça vraiment une bavard. C'est-à-dire un monde qui toujours fait louange pour parler plus. C'est la zone là, c'est lui qui parle plus que tout le monde. Celui qui pense beaucoup et qui parle beaucoup ne passe point pour un bavard. Mais c'est la profonde ignorance qui inspire. Donc, quelquefois, toutes les fois qu'on parlait plus qu'on pensait, les causes que ou développer dans nous-mêmes, dans le domaine psychologique que l'a pentré à nous-mêmes, il y aurait l'agorée, un syndrome qui est l'agorée, qui est logorée, pardon, qui écrit L-O-G-O-R-R-H. Et accent aigu et muet. La logorée, son thème médical, qui utilise en psychiatrie, son trouble de langage, qui fait que toujours gon bagaille pour dire, ou toujours gon parole, parler plus que tout le monde. Peut-être vers midi, dans notre prière de midi, nous va continuer parce que l'heure est arrivée, mais nous croyons. Nous va parler beaucoup plus de ça pour capable font examen de tête ou pour capable font découverte à vous-même. Quelquefois ou pas rendre compte que présence ou qui ça que le vle dit dans zone côté ou hier. Est-ce que présence ou c'est pour le bien
ou du moins est-ce que présence c'est pour le malheur? Il faut que vous portez attention à ça. Ou capable une personne qui vit dans un syndrome logoré. Cherchez comprendre ou même, mais c'est pas moun qui prend le Dieu, parce que le vrai sage détermine exactement qui est-ce que lié avant même pour moun qui est à découvrir qui est-ce que lié. Bon Dieu béni, en pile, en pile, en pile. Tout ce qu'il... Et que bon Dieu touche, oh. Bon Dieu béni, oh, vraiment. Et nous dit bon Dieu, merci. Bon, que bon Dieu touche oh, avec action de grâce. Et c'est là que nous étions avec assurance. Nous connaissons que nous va passer une journée excellente à midi, notre prière de midi, pour nous continuer vraiment notre série trois jours d'action de grâce. Bon Dieu, béni, en pile. Votre attention, s'il vous plaît. Puissance Airlines annonce le départ de son vol 722 à destination du paradis céleste. Nous vous prions de consulter au préalable Galates 7, verset 22 pour un vol agréable. Embarquement immédiat, porte numéro 1. Voilà, bonne journée. À plus tard, pas oublier, nous avons une prière midi. Et. Il y a ce qu'on a pour si nous sommes capables là, une temps avant 9h, 8h du soir, pour nous capables parce que chaque jour, il faut que nous clôturions cette journée d'action de grâce, cette deuxième journée d'action de grâce, et bon Dieu béni. I love you so much. God bless you. Passez une journée excellente. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Et à midi, nous va continuer avec syndrome logoré. Pour capable comprendre, pour capable déterminer une bagay qui te ka cause une défaite la caillou. Et bon Dieu béni, I love you, God bless you, bye bye.